Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Darkest Dungeon où nous devons aller démolir les sanctuaires bestiaux. Trois sanctuaires bestiaux, ça serait mieux hein, pour la traduction. Bestial, bestiaux, je sais pas. Est-ce que je dis pas une bêtise? Vous allez me dire que je dis une bêtise. Nous sommes avec Léonidas, le croisé, Fox le bandit, Bosque la pilleur de tombe et Kira la vestale. Nous avons un layout comme je les aime pas du tout. Donc on va faire... On va partir... Ah merde. Bon, on va partir de ce côté. Voilà. Ah! Bien, ça commence bien. Alors, toi t'as des trucs, toi t'as des trucs, t'as des trucs. Ouh, toi t'en as plein. Donc ce sera pour toi. Allez, brûle-moi ces cris d'impie. Yes! Il est plus essoufflé. Cool! Un truc de moins à envoyer au bâtiment pour les fous, là. Alors, premier combat. Allez. Oh mon dieu, ils m'ont désorganisé. Qu'est-ce que je vais faire? Austin? Non, parce que j'ai pas envie que la Vestale avance. Oh, oui. Pas mal les dégâts de ce truc-là. Oh, belle esquive, dis donc. Non, c'est un crochet, un coup de crochet dans les burnes, en fait. C'est ça, le... Oh, coup critique, c'est ça. Léger problème quand même de stress sur certains. Ah, il a résisté. Bon, ça tu résistes. 18. Mieux. Bon, du coup, ah ouais, mes outils stun. Petit coup de volant. Voilà. Surtout le stress qui est dans ce genre de cas. On va voir. Ah, c'est le même. Nickel, merci. Bon, 5 de dégâts. Ouais, maintenant ça stun en fait cette merde. Non, faut pas qu'elle recule. Encore les tambours, forcément. Allez, tu finis celui-là. Oh merde, bon, au moins il s'est avancé sur. Bon, on va faire un petit soin, toujours du bien. Voilà. On m'avait laissé comme commentaire d'essayer de soigner dès que possible. Au final, c'est vrai, hein, parce que quand on se retrouve à 0 PV, on regrette de ne pas avoir soigné les 1 PV qu'on pouvait beaucoup plus tôt. Quoi. Il n'est pas mort. Oh, il reste 1 PV. Une petite accusation, c'est pour elle. Vous art judged, yeah. Voilà, c'est comme ça que je les aime, moi, les copains. On va faire du bacon aujourd'hui. Oh, elle a 20% de critique en même temps. Joli. Très joli. On avait une... Ouais, mais je sais pas s'il y a besoin de clé sur cela. Yes. Ok. Oh, des gemmes. Putain, on a déjà plus de place. Oh merde. Bon, du coup, on va virer les cendres d'or. Pour prendre le reste. Ok, donc on peut continuer. C'est un petit peu trop calme. C'est un peu trop calme. Il fait chier. 250, je veux dire. Encore le truc à 500 d'or, je veux bien le garder, mais le truc à 250, ça va. C'est quoi ça? J'avais jamais vu cette pièce, c'est marrant. Ok, donc là on a plein de choses. Bon, on va aller tout droit. Puis peut-être qu'on fera ça. Je sais pas. Ah! C'était les bandages qu'il fallait là-dessus. Hein. Yes. De l'or et de la bouffe. Ça fait quoi ça? Ouh, ça c'est pour... Ah, c'est pour le bandit en plus. La ceinture maudite. Empoisonnement et étourdissement. Je fais pas ce genre de choses avec mon bandit. Ça m'intéresse pas du tout. Oh, une carte. J'ai déjà eu un... Ah, non, c'est pas totalement inutile. Ah ouais, quand même. Ah non, effectivement, c'est pas totalement inutile. Bonne carte. Ça serait bien qu'on puisse mettre la torche sur les raccourcis plutôt que d'avoir à aller là à chaque fois. On va 83. C'est suffisant. 83. Du bacon pourri, dit Sif. T'as tout à fait raison. Bon, du coup, bon, on va tout droit. Hein. Putain, j'ai trop de loot. Trop de loot, j'ai plus de place. Arrêtez.
C'est pas possible ça à la fin. Petite brochette de cracheuse. Just one piece. Excusez-moi, putain. Waouh, ça leur a fait mal. Ah, la esquive en plus. Force assure. Petite morsure. Ah, deux dégâts, c'est bon. Et là, c'est en plus. Qu'est-ce que c'est beau ça. Cette classe dans le geste. La classe dans le geste, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait virer? Parce que j'ai une clé pour ouvrir ça après, moi, c'est ça qui me gêne. Limite, au pire, les armoiries, on peut les laisser, mais... Oh, ça saoule. Ça saoule, ça saoule. Voyons voir. La clé, on va l'utiliser tout de suite. L'eau bénite, au pire. Voilà. Les torches, on va les utiliser. 12 d'armoiries. Ouais, mais les armoiries, on en a une chier plus 1000. Alors bon, ça va, quoi. Allez. Oh merde, je peux en mettre qu'un? Ah mais non, il y en a un qui est allé là. Bon, tant pis. Va falloir que... Attends, on va aller par là parce que je soupçonne que cette pièce contienne des trucs qu'on doit activer justement. Oh merde. Encore un piège. On va essayer de vider nos torches du coup pour faire de la place. Pas trop. Ouais, allez, next fight. Ah oh non, pas les porcinotors, chier. Ça fait quoi damage mode. On va essayer d'éliminer le marcheur plutôt en premier. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça. Bosque. Tu montes dans mon estime presque aussi haut que T-Boost. Mais nous honorons encore sa mémoire. Je suis encore en période de deuil. Je ne peux pas encore totalement la remplacer. Allez, du coup, ouais. Pas trop mal. C'est con. Enfin, soit focus, parce que c'est mieux de la situation. Allez, termine-moi. Non mais là, on a la team, la dream team quoi, merde. La team critique, je vais les appeler. Ah, esquive en plus. C'est pas comme s'il avait une super valeur en esquive non plus quoi. Ça par contre, c'était pas une bonne idée de faire reculer le truc là. Ah, c'est une très bonne idée. Nickel. Ah bah tiens. Mec là. Voilà, comme ça, ça lui sonne un petit peu de stress, ça lui fait du bien. Putain, tu peux me retenter la forme. Mais attendez, en même temps. Oh, allez, un soin focus. Ça va. Ouais. En même temps, il était monté à 115% pour belle esquive de bouffe. En même temps, elle est à quoi? 79 d'esquive? C'est normal quoi. On va commencer à lui faire bobo à ce monsieur. Bon, allez. Boum, 18. T'en veux encore? J'en ai plein pour toi. Tiens. Boum, 31. Voilà. Ça bosse que... En fait, faudrait compter les fois où elle fait pas un critique. Je pense que ça irait plus vite. Du coup, c'est ma vie qu'on laissait. Alors ça, ça va augmenter encore les dégâts. Il me semble. Bah, tu peux m'appeler Jay. Yassif qui me demande comment on peut m'appeler. Tu peux m'appeler Jay, ça ira très bien. C'est le surnom que me donnent tous mes potes en fait. Ah, rebelote, décidément. Allez, c'est pour toi. Mon pauvre Léonidas qui est quand même un cas social au niveau de l'armée. Voilà. Ilomanie, je sais même pas ce que ça faisait. Par contre, est-ce que... Ah, on peut aller en arrière. Merci à tous ceux qui m'ont dit que la touche W marchait. Là, franchement, la dernière fois, j'avais un peu crisé, quoi. J'arrivais pas à reculer. C'était la galère. Bon, on va essayer d'aller juste chercher le petit coffre, là, vu qu'on a déjà exploré. J'ose espérer qu'on n'aura pas d'embuscade. Sinon, on va le faire. Juste un petit peu de stress, mais ça devrait aller parce que j'ai toujours pas trouvé. C'est pas ça les sanctuaires bestiaux, hein. Pile de livres, non. Du coup, non. Voilà. On repart dans l'autre sens. Ça s'en va et ça revient.
Allez, on va prendre notre exploration. Bon, tu veux bien ? Merci. Alors c'est bizarre, mais j'ai l'impression que quand j'utilise W sur les pièges, il se déclenche, et quand j'utilise le clic, il se déclenche pas. Je sais que c'est une connerie, c'est pas comme ça que ça marche, mais... Alors, est-ce que ça serait pas ça ? Si, c'en est un. Yeah ! Classe ! Super, ça nous fait deux emplacements. On va pouvoir récolter du loot. Encore un. Ah, en plus, il y a personne. C'est beau, ça. Boum, et deux. Prends ça, sale hôtel impie. Bon, du coup... Putain, on a bien fait de pas aller par là. Il y avait des combats de partout. Ah, j'ai dit... Comme quoi, ça marche pas tout. Tu ne veux pas mourir ici? Ah ouais, effectivement, tu commences à être stressé, mon pauvre ami. Je pense qu'il est temps, peut-être, d'aller manger. De se reposer, faire le... T'as toujours pas de bataille, ici. Il nous reste quoi? Il nous reste un truc à explorer. Ouais, on va se reposer ici, histoire de soigner le stress. Tranquillou. Voilà, on va manger. Bon festin, quand on a un max de vie. Je pense qu'on va faire un petit humour noir. On pourra le faire. Yeah! Joli. Ça a augmenté à personne. Ah, si religieux, ça soigne bien. Ouais, non, c'est pas génial, ça, quand même. Réduit les chances d'embuscade. Réduit le stress de 10 chez un compagnon. Ils sont combien? 28 et 33. Ouh. Alors, réduit stress de 25 sur soi et plus 10 en précision. Non, c'est pas génial. Plus 35%. Non, ça, c'est pas génial. Je pourrais faire un petit nettoyage d'armes. Toujours pas mal de dégâts en plus, quoi. Un champ. Sur un compagnon. Ça va être lui, du coup. Nice. Ouais, c'était pas génial, forcément. Il nous reste deux. Une petite provision. Yep. Cool. Et bah, du coup, c'est fini. Hmm. Je sais pas pourquoi je m'y attendais. Quatre. Ouh, ça, c'est un peu plus pénible. Ça, donc, là. Allez, on va se faire celui-là. Je préfère que ça le tue. C'est surtout le stress qui m'embête. On a fait tout ça pour diminuer le stress. Oh, en plus ils agissent tout le temps, quoi. Merde. Voilà moi. Un petit son. Ben voilà. Quand on veut. Quand on veut, on peut. Bim. Ah merde, je pensais que ça l'aurait tué, vous voyez. Oh merde. En plus, c'est du bon. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire. Ouais. Sur lui. Yes. C'est passé. Plus il nous fait remonter là, tout ça. Bon, on va le faire avancer, lui, parce qu'on a plus besoin de lui devant. Très bien. Tu me stun là, s'il te plaît. Ok. Du coup, lui. Oh. Voilà. Et on va finir maintenant. Non, on va soigner d'abord avec. Voilà. Putain, il faut toujours bien faire. Bah voilà, un coup critique. Oh, est-ce que ça pique? Non, non, ça pique pas. Allez, on a encore de la bouffe, hein. Ouais, on a encore 12 de bouffe. Ok, donc next, on va plutôt aller par là-bas pour voir. Par contre, j'ai plus de torches. Allez, fight! Ah, oh, mais merde! Foutez-moi la paix un peu. Allez, voyons voir. Crève charogne au fond. Boum! 31! Mon département. Haha! Oh, est-ce que ça pique? Oui, oui, ça pique. Esquive? Oh, zut! Il n'y a qu'à 25 d'esquive, hein. C'est pour ça, hein. Du coup, bon, du coup, on va pas le. Oh la 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 la.
Un petit soin focus. Nickel. Allez, tu me le finis là. Voilà. Ça, j'aime quand un plan se déroule sans appel. Comme on dit. Allez, ça avance. Alors ça, je sais pas ce qu'il faut utiliser. On peut essayer des herbes médicinales. Yeah! Ça a purifié l'alcool. Du coup, plus 30% de dégâts. Waouh. Effectivement. Ah, ok. Encore du stress, forcément. Ah, je t'ai pas réorganisé. Zut alors. Bon, on va faire un plutôt. Ah, j'ai mal avec ce truc-là maintenant. Ok, il est marqué. Ça devrait aller. Je crois pas qu'ils aient des trucs pour attaquer les gens marqués. Ah, dis donc. Ok, alors une petite accusation fervente. 12 et 18 quand même, hein. Ça fait mal. Bon, les tambours. Oh, j'ai eu des esquives dans le tas. Joli. Oh, Léonidas, dis donc, t'es en forme. Du coup, tu vas bien m'affaiblir sur le premier terminé. Ah zut, il a esquivé. Oh, il a encore esquivé. Putain, espèce de porcin frais là, la con. Tu vas voir ce que je vais t'envoyer dans la gueule. On va voir si tu esquives. Tiens, déjà, ça. Voilà. Comment bien. Je vais me soigner. Très bien. Allez. Ouais, ça c'est très bien. 5. Violent qui règle la question. Même pas de loot? Ah si, quand même. Oh, peu commun, plus 1% de chance de reconnaissance. Ça, c'est pas mal. Et j'ai plus de place. Fais chier. T'es. Voilà. Ok. Et du coup, bah, tiens, on va manger un peu. Voilà. On a quand même pas mal de bouffe de côté. Du coup, boss, que tu te remets en troisième, s'il te plaît, pour que tu fasses ton attaque. Ah, et parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ah zut, j'aurais préféré que ça aille jusqu'aux deux dernières pièces. C'est pas grave, on va faire 100. Une carte, ah bah tiens. Yeah, nickel. Donc ça doit être cette pièce là. Ouais, donc on va tout droit et on tourne. Alors ça je sais plus. Dans le chat, si vous savez ce que c'est le truc là, ça m'intéresse. Hein. J'ai la flemme, bon, je pourrais aller chercher sur le wiki mais j'ai la flemme. Enfin, de le faire tout de suite quoi. J'ai pas la flemme de le faire en général, il faudra que... J'arrive pas à tous les retenir, il y en a quand même un gros paquet de ces trucs là, mais... Donc je me vois mal tous les retenir. Oui, vous pouvez manger. Bande de gougnafier. Allez, dernière pièce. J'espère, je croise les doigts. Yes! Dernière pièce. Super. Voilà, on a fini. Mission réussie. Bon, on va pas prendre de risque, on va rentrer. Je pense que c'est bien. Yeah, des thunes! Balancer le flouze, le pèse, le blé. Six tableaux, c'est pas mal. Ça fait partie des choses dont on a quand même pas mal besoin. T'as 6 de game XP quand même. Tacticien des ruines, c'est pas mal. Encore un pochetron, c'est pas vrai ça. Guerrier de la lumière, crampe à l'estomac. Ah, armurier amateur, ça c'est toujours pratique. Elle est plus qu'à 2 XP de son prochain niveau. Nickel. Bon, et en plus, je pense qu'en termes de situation de stress, on est pas mal. Alors, croix à passer une nuit en ville et récupérer 70 de stress. Super. Donc, déjà, on va regarder ce qu'on a. Ok, donc, je prends un lépreux. Quel était son nom déjà? Le lépreux, c'est Astaroth. Alors, Astaroth. Astaroth. Voilà, bienvenue à Astaroth. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vestal, ouais, ou Fitzalan, non, ça m'intéresse pas trop. Alors déjà, je vais noter ça. Hop, Astaroth, il est là. Donc ce qu'il nous faut plutôt, c'est chasseur de primes bouffon.
Donc si vous avez un build lépreux, ça m'intéresse. J'ai envie de voir un petit peu quels sont vos builds lépreux, qui peut, comment le jouer, avec qui, quoi. Surtout en prenant en compte peut-être un peu ce que j'ai à côté. D'ailleurs, ce qu'on va faire vite fait, c'est qu'on va voir si je peux peut-être... Ouais, on peut les réorganiser, ça c'est bien. Donc on va vite fait réorganiser tout ça. Mettre... Ah putain, ça c'est chiant par contre. Hop. Et hop, du coup... Les Vestales ensuite. On va en profiter. C'est comme un jeu de puzzle. On va mettre ça là. Toi tu te mets là. Toi tu restes là. Toi tu restes là. Toi tu montes. Zut. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bosque. Tu vas avec Elysia. Noxiste avec Nater. Et on est bon après. Putain, c'est vrai qu'on a. On a plus qu'une seule. On a plus qu'une seule barbare. Plus que Grumpf. C'est triste quand même. On a 18 sur 20. Sachant que ça, ça peut plus être augmenté. Hein. On est au max en termes de taille. On peut essayer d'avoir plus de héros, c'est vrai. Du coup, waouh, on a 27 portraits. Est-ce que je peux pas améliorer encore ça ici? Non, ce sont des actes. Donc il nous en faut 15 limite pour ce niveau-là. Et ici, je peux améliorer. Ben voilà, comme ça on finit ça. Non, j'ai pas encore. Ouais. Pour 20, allez. Je prends. Juste par curiosité, vous étiez déjà au niveau max de ce que vous pouviez. Bon, toi en l'occurrence, non. Mais Balian. Ouais, déjà au niveau max. Il faut qu'il passe encore un niveau pour avoir les prochaines comp. Du coup, question reste 26 bustes. Qu'est-ce que ça coûte ici déjà? 19. Ah, on n'a pas assez d'armoirie. C'est marrant ça pour une fois. Il faudra qu'on augmente nos emplacements aussi d'ailleurs. Ici, on est déjà au max sur le premier, sur le cloître. Alors justement. Ouais, en termes de stress, on est bon, hein. On a juste Croc qui est encore en train de boire, apparemment. Arrête. Ouais. Espèce d'alcoolique. Ouais, à part peut-être Kira. 27 de stress, c'est pas grand-chose. Hein. Ça dépendra qui c'est qu'on emmènera. Ouais, on est à 16 000. On pourrait embarquer Zoé dans la prochaine. Non, on va embarquer Cunégo, je pense, de toute façon. Ça va passer son niveau. Ok, donc Zoé, tu vas aller méditer, s'il te plaît. Si tu veux bien. Yes, elle va bien. Je prie, j'implore, sortez-moi d'ici. Ok. Comme ça, ça devrait la soigner. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire comme mission? Parce que maintenant, on a suffisamment de monde, je pense, pour faire une mission. Ouais, avec Elysia. Attends, je sais pas si c'est... Mais non, Sif, t'es pas mort, t'es là. Sif qui me dit que je suis déjà mort. Mais non, regarde. T'es le chasseur de primes encore en vie, justement. Mais je combote bien avec Nater, quoi. Mais là, il faudrait que je fasse une mission plutôt avec Noxiste. C'est quoi, ça? Traction démoniaque. Oh, ça tire de deux. Il faudrait que je fasse une mission Noxiste, Sif, Astaroth... Et du coup, en dernier, Elysia. Mais je sais pas ce que ça donnerait comme groupe. Donc je le fais pas tout de suite. Parce que qu'est-ce qu'on a comme mission? Remarque, on a des missions faciles. Et après, sinon, c'est des trucs de vétérans. Dans ce cas-là, pour les combos, enfin les trucs de boss, je préfère prendre le combo tel que j'ai joué les deux derniers donjons. Là, parce que c'est vraiment le truc avec lequel je me sens le plus à l'aise. Plutôt que de m'amuser à... Surtout que là, en plus, j'ai ce build avec l'occultiste, le chasseur de primes, il est pas tout à fait prêt. Donc, ouais, il faudrait plutôt que je parte sur une mission avec 3 niveaux 0 et un niveau 2. Donc une mission de niveau 1 dans ce cas. Parce que là, ça, c'est tout le temps des moyens. Je le sens un peu mal avec des niveaux 0 de faire du moyen. Donc pour l'instant, j'ai bien envie d'aller tenter le nécro. Ouais, le chasseur de primes passe toujours avec un mec qui stun ou qui marque, oui, effectivement. Parce qu'avec finis-le et récolter le butin, on peut frapper les deux. Effectivement, avec ce sort-là, on peut stun. Ça, c'est cool. Par contre, je sais pas du tout ce que fait lui, quoi. Mais on va. Bon, une attaque standard. Une attaque sur deux mecs, d'accord. Concentration qui augmente sa précision. Ce qui est chiant, c'est qu'ils disent pas pendant combien de temps ça dure.
C'est plus 15 de précision jusqu'à la fin du combat, pendant 10 tours, pendant 5 tours. Ça je sais pas. Vengeance sur soi, plus 40% de dégâts. D'accord, moins 10 en précision. Le problème c'est qu'il a pas beaucoup de précision de base, il me semble, le lépreux. Hein. Surtout qu'en plus il a une maladie. Oh, je sens encore ça. Plus 10% de dégâts. Ouais, à distance, super. 10% de résiste au coup mortel. Il a une bonne résiste au coup mortel par contre. Résister, soin du stress plus 5 et plus 20% en prod, ça peut être pas mal effectivement. Soin de 4 PV sur soi-même, 4 PV en niveau 0, c'est bien. Ça peut effectivement bien se comboter avec l'occultiste, comme ça lui il se soigne lui-même quoi. Et l'intimidation qui permet de repousser. Ouais. Faudrait que je voie ce qu'il fait. Faudrait qu'on se fasse. Mais bon, pour l'instant on va aller s'attaquer au nécromant. Du coup, qui c'est qu'on va prendre? Balian, on pourrait reprendre Balian. Hein. Balian, ça reste quand même le héros, quoi. Merde. Coup mortel 100%. Ouais, putain, ça doit être bien ça. Non, je sais pas. Y a Sif qui me demande si on peut faire coup mortel 100%. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Voyons voir. Tous les compagnons plus 20% de résistance des dégâts de stress. Ouais, tous les compagnons sont 10% et du stress. Ça, c'est bien. Ça c'est pas mal aussi. Donc en termes de comp il est bon, en termes d'armure il est bon, donc il est prêt. Ensuite on a dit qu'on prenait Cunégonde, qui est déjà prête, qui a la prière, ça c'est quand même pénible. Réduit les chances d'embuscade nocturne, ça c'est bien. Et après il y a la bénédiction, plus 10 en pression, plus 10 en esquive. Salut Pyro Steph, bienvenue sur le stream. Donc, je pense qu'on va prendre Cunégonde. Du coup, bon, bah, c'est classique, hein, on prend Bosque. Ça fait quoi? Ça augmente les chances de reconnaissance. Une chance de produire de la nourriture. C'est pas mal ça. Donc, en 3, on va voir T3, 3, 4. Ah, je peux quand même peut-être lui augmenter ses deux autres sorts, histoire qu'elle soit au max. Donc, Bosque, voilà. D'ailleurs, si vous avez un nom pour Bosque, attends, peut-être regarder dans les noms en rap que j'ai. Parce que c'était le nom qui avait été généré de base. Et j'ai plus de nom disponible. Enfin, il y a déjà Elysia, quoi. On va pas la renommer T-Boost, hein. Ce serait tricher. Si vous avez un nom là dans le chat, Sif ou Pyro, justement, pour renommer Bosque, je veux bien, hein, pas de soucis. Je suis pas un grand fan du nom de Bosque déjà de base. Donc Balian, comme d'hab. Balian. The best of the best. Bosque, Cunégonde. Ah non, mais je suis. Si, c'est bon, 4-4-4-4. C'est bon, c'est pour ça que j'étais revenu en arrière, je m'en rappelle plus. Et en dernier, du coup, soit Crow, soit Fox. Fox, c'est déjà 4-4-4 partout. Hein. Ouais, il a un petit peu de stress, mais ça, ça devrait se gérer. 26 sur 30 XP et 22 sur 30. Je vais prendre Crow comme ça, il va le veiner. Au fait, rapide à dégainer, ouais. Je regarde s'ils ont de l'exploration. Non, pas d'exploration. Dans le donjon Bosqué, non, c'est pas les ruines. Et toi? Bosqué aussi. Dédale, Bosqué et Dédale. Dommage. Obsédé par lui-même. Bon, on va se faire le nécromant. Allez, c'est parti. Voilà. Les ruines, on sait jamais. Voilà. Je pense qu'on est bon là. Je vais même prendre deux clés et deux bandages. Et deux trucs. Allez, soyons fous. Et deux trucs comme ça. Le seul truc que j'ai pas, c'est l'antivenom. Je vais en prendre un. Allez, même deux. Soyons fous. J'ai des sous. Putain, je suis riche. Ok. Donc, on embarque. Bon, voilà, comme d'habitude. Hein. La vidéo YouTube s'arrête ici. Le stream Twitch continue. Donc, ceux qui sont en train de regarder sur Twitch, restez. Mais ceux qui sont sur YouTube, je vous retrouve demain pour le prochain épisode. Bonne soirée.